Après être baptisé, l'appel à Christ suit et enfin la phase de la consécration. C'est dans cette optique qu'un culte de consécration pastorale s'est tenu samedi 25 novembre 2023 en Vendée. Ont été appelés à marcher selon Christ, pasteur Njate Payan Jimin et pasteur Sogon Judith, épouse Njate. Cette étape permet à celui qui est appelé à être consacré de prendre ses engagements proprement dit en suivant les lois de Christ. La cérémonie de consécration peut-on la définir comme une façon justement d'attacher l'homme à son Dieu. À un moment donné, on se dit que Dieu, même qu'on se dit, Dieu a mis en l'homme, je vais dire un don. Et de manière solennelle, on veut l'extérioriser. Vous savez, quand Dieu vous donne, c'est encore intérieur. Il est intériorisé. Maintenant, on essaie de l'extérioriser. Alors, ordonner, consacrer, c'est présenter à la fois devant Dieu et devant les hommes un individu qui a été, avant même la création, appelé par Dieu pour le service de Dieu. Donc, créé par et pour Dieu. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné, c'est une bénédiction qui vient du Seigneur. Alors, il ne peut être content parce que c'est ce que Dieu m'a donné. C'est un appel que le Seigneur m'avait lancé et c'est un appel que qu'il m'a dit. C'est ce que je suis dans le monde, que je suis venu faire dans le monde. Alors je ne peux être content d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur terre. Beaucoup de choses vont changer parce qu'à la face du monde, c'est un peu comme être exposé pour dire au monde entier que je peux déjà faire la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Un moment tant attendu, sur leur visage, se traduit une joie immense de servir enfin Christ après ce serment. Enfin, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le jour de mon ordination en tant que pasteur et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde. Je suis vraiment content. Je suis très content parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. C'est une bénédiction qui vient du Seigneur. Ce matin, tu ajoutes à la moisson des moissonneurs. Les hommes seront en cœur que toi-même tu as choisi afin qu'ils puissent prendre soin des débris. Nous voulons donc, ô Dieu, passer par le solennel, les établir dans leur office en tant que pasteur de tes brebis et de ton église. Par ce tuile, Seigneur, que nous versons sur la tête, Seigneur, ils reçoivent cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as dit également, Seigneur, que la femme est une aide aux côtés de son mari. Et Judith l'aide également. Et tu l'as appelée, pas seulement à l'aider pour les tâches naturelles, mais également dans le ministère que tu as donné à son mari. Par ce tuile également, Seigneur, que cette onction pastorale coule dans sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'un homme naît, il ne sait pas qui il est. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient dans la vie d'un homme pour lui faire savoir qui il est. Une consécration qui nécessite une bonne formation physique et spirituelle, avec pour mission d'amener les uns et les autres à découvrir le potentiel caché en eux. Et effectivement, d'abord, je rends gloire au Seigneur Jésus. Vous savez que ce n'est pas un chemin facile, mais comme je l'ai d'emblée dit, il faut être appelé, puis il faut suivre la formation. Quand tu es appelé, tu as subi ta formation, alors tu as droit à ce prestigieux, justement, cadeau. Hein? C'est une grâce que Dieu nous fait d'être consacré. Il faut donc des personnes pour le faire. Je tiens à les féliciter, à les encourager. Ce n'est pas facile, mais je crois que le Dieu qui les a appelés va leur donner la force. Alors, l'objectif de cette consécration est de répondre à l'appel du Seigneur uniquement. C'était un grand jour. C'était un jour béni. C'était un jour glorieux. Un jour, nous sommes engagés parce que le Seigneur a dit aller et faire de toutes les nations des disciples. Et c'est pour cela que nous voulons faire des choses de manière à ce que ce soit légal. L'homme quittera son père et sa mère
Il s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. C'est ainsi que cette dernière sera auprès de son mari pour l'aider sur tous les plans. À cet effet, pasteur Judith Segond, épouse Ndjaté, a décidé de servir Christ auprès de son époux. Son épouse, nous décernons également ce certificat pour servir, pour attester réellement qu'elle a été appelée au ministère pastoral. Nous bénissons le Seigneur à chaque fois qu'il y a une occasion comme celle-ci où les ouvriers sont ajoutés à la moisson. Comme lui-même il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, il y a encore deux ouvriers qui sont ajoutés à la moisson du Seigneur. Nous bénissons son nom pour ça et la manière dont le programme s'est tenu, lui-même il a pu conduire et diriger cela. Nous lui donnons toute la gloire. N'enviez pas les autres appels. Le Seigneur vous a appelé comme pasteur. Et le premier conseil que je vous donne, n'enviez pas les autres pasteurs. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, il déclare qu'il a appelé les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Amen. Dieu vous a appelé comme pasteur. Restez dans votre poste. Demeurez dans votre poste et faites le travail d'un pasteur. Amen. Toutes les définitions bibliques concernant, n'est-ce pas, le pasteur, dans la Bible, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, le pasteur signifie un berger. C'est lui-là qui prend soin. C'est lui-là qui s'occupe. C'est-à-dire qui prend soin des brebis, qui guérit les brebis. C'est lui-là qui se sacrifie. Vous savez, la femme a été créée pour être une aide auprès de son mari. Donc, et c'est vraiment une grâce de trouver celle-là qui se tient aux côtés de son mari pour l'aider et l'accompagner sur tous les plans du foyer, même ministériel. Donc, il est vraiment encouragé et une grâce de trouver ce genre de femme de nos jours. Oh, c'est une joie, c'est une grâce de servir aux côtés de mon époux. On a été appelés presque au même moment, on s'est baptisé même le même jour. On ne savait pas qu'on serait ordonné le même jour. Donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Je rends d'abord grâce à Dieu parce que sans lui, rien ne serait là aujourd'hui, rien ne serait possible aujourd'hui. Et je vais dire aussi merci à mon époux qui m'a soutenu, qui m'a encouragé. Qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, qui m'a prodigué beaucoup de conseils parce que ce n'est pas facile pour une femme d'être acceptée en tant que pasteur. Il y a trop de préjugés et mon mari a toujours été là pour me soutenir. Un chemin pas du tout facile, il suffit juste d'avoir la ferme conviction. Une cérémonie de consécration pas comme les autres. Jackson a été consacré au ministère pastoral. En foi de quoi nous devions ce certificat pour servir et valoir ce que Dieu doit. Même chose pour son épouse, nous décernons également ce certificat pour servir, pour attester réellement qu'elle a été appelée au ministère pastoral. Tout est bien qui finit bien.